Aujourd'hui, 27 juin, c'est mon anniversaire. Et 22 ans, ça se fête quand même. Joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños. Zum Geburtstag viel Glück, Virgil. Happy birthday to you. Voilà le cadeau d'anniversaire que j'ai reçu hier et qui est véritablement exceptionnel. Je suis arrivé de nuit hier, en cet endroit magnifique, à la lueur de la pleine lune. Et j'ai posé ma tente donc au milieu de ruines Inca qui surplombent une vallée absolument incroyable, un véritable gouffre. Probablement le meilleur endroit où j'ai dormi de toute ma vie. Et le meilleur endroit, peut-être le meilleur anniversaire de toute ma vie également. Quelque chose de très simple, mais de très fort. Je suis en approche du Machu Picchu au milieu de la vallée sacrée. De l'autre côté de la rivière, là-bas, il y a le Camino Inca, le très célèbre Camino Inca, pour lequel il faut payer 400-500 dollars pour avoir le droit de marcher 35 km avec porteur et tout le tralala. Et donc moi, je suis de l'autre côté de la rivière, sur un chemin qui est surtout emprunté par les locaux, mais où il y a également de très très belles ruines. Nous y voilà, Machu Picchu. Ce que j'aime beaucoup ici, ce n'est pas tant les vestiges historiques, ce n'est pas tant la nature, mais c'est la concordance des deux. C'est l'harmonie qu'ont réussi à créer les Incas entre d'une part leur construction et d'autre part cet environnement exceptionnel dans lequel nous nous trouvons. Voilà, reparti dans la montagne après le Machu Picchu. À nouveau, j'ai eu la chance de trouver un spot magnifique pour camper cette nuit avec une vue assez incroyable. Et donc, je vais me diriger par la montagne vers Choquequirao, qui est un petit peu la petite sœur, on peut dire, de Machu Picchu. Voilà, passage d'un petit col à 4006. Parti de 1006 hier. 3000 mètres de dénivelé positif. Que du plaisir. Voilà, arrivé à Choquequirao par la jungle. Je suis parti au petit matin pour avoir la chance de voir le lever du soleil sur les ruines. Vous excuserez ma tête du matin, je vais vous montrer tout ça, on va faire un petit tour ensemble. Donc, je suis au-dessus du site de Choquequirao sur une terrasse cérémonielle qui s'appelle Lusnu, où les Incas pouvaient observer et vénérer toutes les montagnes alentour qu'ils considéraient comme des dieux appelés Apu. De la visite de Choquequirao, les terrasses des lamas du soleil juste derrière moi, où dans les terrasses en fait ont été insérées par un système de mosaïque en fait des sculptures de lamas. Faut pas avoir le vertige. Là, je suis sur le départ au petit matin et il va falloir que je commence cette journée en traversant le rio Apurimac qui est juste là. Le rio Apurimac donc qui sépare la région Apurimac où je me trouve en ce moment de la région Ayacucho. Donc je prépare mon sac spécialement pour ce petit défi en essayant de d'étanchéifier au maximum.
Voilà, on y est. Je vais tenter une traversée ici. Je vous avoue que je suis bien, bien stressé. Et c'est pas un stress d'examen. Parce que le Rio est quand même très large, très puissant. Et juste avant de me jeter à l'eau, petit point didactique. Comment traverser une rivière? Donc déjà, se munir de au minimum un bâton, deux bâtons, c'est mieux. Donc on traverse en faisant face au courant. Donc en regardant l'amont de la rivière. En pas chassé, sans jamais croiser les jambes, on pose les bâtons bien, on assure chaque pas et puis on fait preuve d'humilité. On va voir comment ça se passe. Waouh, il est hyper profond. C'est un gros échec là. Déjà vu la puissance, ça m'arrive au ventre alors que j'ai même pas fait 5 mètres et mes bâtons tremblaient déjà. Voilà, c'est pas possible. Le problème c'est qu'il n'y a pas de pont, même la route est coupée, donc je sais pas du tout comment je vais faire. Je vais me rendre à la route pour voir s'ils ont un moyen pour traverser. Bon, je vais refaire une tentative ici. L'idée c'est que... Il y a de fortes chances pour que je me fasse emporter. Et donc je vais essayer de terminer à la nage en profitant du coude qui est un peu plus bas. Tout en essayant d'éviter les rapides là-bas. Sachant que les rapides, je suis allé voir, sont pas dangereux. Je vous conseille pas de le faire vous-même. Ok. La vache. Allez mon pote. Là on peut le faire. Allez, allez, on continue. Ah. Allez. Ah. Putain. Putain. Allez. Ah. Ah. Fuck. Ah. Le plan a marché. On l'a fait. La vache. Je suis trempé. Oh la vache. Une des plus grosses traversées de rivière de toute ma vie, je dois dire. Déjeuner au passage du col Ritipata, comme indiqué sur le panneau en face. 4900 mètres, presque 5000, l'altitude du Mont Blanc, plus ou moins.